carte de séjour ferme la porte aux Africains et privilégie les Français. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, le débat fait rage dans les milieux panafricanistes. En toile de fond donc, l'obtention des titres de séjour dans certains pays africains. Le cas de la Côte d'Ivoire est mis en lumière avec des prix préférentiels pour les ressortissants hors africains. Les citoyens africains hors de la zone CEDEAO payent par exemple 300 000 francs CFA pour l'obtention du précieux sésame. Au même moment, les citoyens français déboursent la moitié de la somme, soit 150 000 francs. Comprenez-vous cette situation? Comment expliquer cette différence de prix entre Africains et Français? Comment ça se passe chez vous, puisque vous nous appelez d'un peu partout dans le monde? En tout cas, la parole est à vous et on va y apporter quelques éléments de réponse avec nos invités dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de For You Media Africa, 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, c'est la radio. Et bien sûr la même radio émet sur satellite Eutelsat, le même Eutelsat qui vous permet de nous avoir dans vos petits écrans. Et naturellement Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont tout simplement téléchargé l'application For You Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle quand même de quelque chose qui de plus en plus devient sujet à débat dans les milieux africains et panafricanistes. Il s'agit de l'obtention des titres de séjour dans certains pays africains. Alors on ne sait pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, la carte de séjour a fermé pratiquement la porte aux Africains et privilégié les Français. Un Français pourrait par exemple débourser 150 000 francs pour l'obtenir. Par contre, tous les autres Africains hors de la zone CEDEAO payent 300 000 francs CFA. Alors cela a suscité beaucoup d'incompréhension du côté des Africains et des panafricanistes, d'où notre thématique ce soir. Votre avis compte, vous le savez bien. Le consultant permanent de l'émission, Jonathan Batenguene, est avec nous ce soir comme tous les soirs. Bonsoir Dieu. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes convaincus. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour les Africains parce que nous sommes engagés dans un combat qui est en train de prendre une autre dimension. Nous avons les attaques de la jeune française qui sont de plus en plus pressantes sur tous les bastions du panafricanisme. Nous demandons à toutes nos bases militantes de se mobiliser. Nous avons longtemps annoncé qu'il y aurait une guerre sur le continent. Cette guerre est en train de se dessiner à grands pas. Il faut rappeler qu'au niveau de la Russie, le président de la Fédération de Russie a demandé la réhabilitation de tous les sites, les abris anti-atomiques. Ça s'est fait ce week-end. C'était tellement express que nous demandons à toutes nos bases militantes de continuer la mobilisation et cette fois-ci de ne pas jouer parce que le combat est réel sur notre continent désormais. Les attaques sont là. L'assassinat de Martinez Zogo n'est pas un assassinat qui relève simplement de la politique intérieure du Cameroun. C'est un assassinat qui désormais relève des éléments de la géopolitique internationale. Et en toile de fond, il y a la question de la décrédibilisation des institutions camerounaises au profit d'une déstabilisation étrangère. Donc, les Africains qui regardent ces actualités désormais sur le continent, que ce soit au Congo, que ce soit en RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et partout, ayez un regard qui prend en compte les réalités politiques internationales aujourd'hui. Ces réalités imprègnent notre vie quotidienne. La grande guerre a commencé. Elle a commencé par une guerre asymétrique. Nous devons la mener. N'ayons pas peur, nous serons vainqueurs. N'ayons pas peur, nous allons gagner. Nos adversaires sont à l'agonie. c'est leur spasme que nous voyons. Les spasmes, c'est l'agonie, c'est les derniers gestes de la vie. Donc nous disons bonsoir à toutes nos bases militantes de partout dans le monde. Nous leur demandons courage. Nous saluons les techniciens qui abattent un travail d'orfèvre, alors là, un travail de titan. C'est grâce à eux que la qualité d'image et la retransmission se passent dans de bonnes conditions. Donc merci à M. Marius et M. Tokam Marius, Adrien Ngwe, tout à fait, tous c'est de véritables héros. Ils ne sont peut-être pas visibles, mais c'est les héros qui permettent que vous ayez cette qualité d'image. Bonsoir à tout le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous savons que le directeur l'ex-directeur des opérations, son interview, son audition à la police et à la gendarmerie, ça ne va rien donner. Nous préférons le dire aux Camerounais, ça ne va rien donner. Ce monsieur, il faut le ramener là, dans son service, parce que les informations qu'il a sont très sensibles. Il manipule la police et la gendarmerie dans l'enquête. Il faut le ramener à la DGRE. Là-bas, il y a des spécialistes pour son interview. Donc le chef de l'État qui connaît tout. Maintenant, Bachi, il y a un élément. On nous annonce la présence du chef d'État camerounais au Gabon. C'est un acte qui, au plus haut point, crée la consternation dans le milieu panafricaniste. Nous aurions préféré que le président Paul Biya reste au Cameroun et qu'il ne fasse pas le déplacement pour le Gabon. Et nous adressons notre soutien à notre frère Nestor Podassé, qui est injustement arrêté au Burkina Faso. Nous demandons sa libération inconditionnelle. Nous avons annoncé depuis hier une pétition. Le président Bandakani certainement va réitérer là-dessus parce qu'on en discute tout le temps. La pétition est déjà dans la forme et sera partagée. Du moins le document qui va accueillir les signatures, à toutes les bases militantes panafricanistes de par le monde. Notre travail, rappelons-nous, c'est de faire signer par le maximum de personnes et d'aller déposer au niveau de l'ambassade du Burkina Faso ou du consulat du Burkina Faso de notre localité. Faisons signer cette pétition. Montrons à tous ces Francs africains que le combat panafricaniste, ce n'est pas un combat bourgeois des plateaux de télévision. C'est un combat réel avec des bases militantes les plus importantes de la planète. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Vous parlez d'un combat et bien sûr, nous demandons, comme vous l'avez très souvent fait, la libération donc de Nestor Podassé. Quand on parle de Nestor Podassé, on est toujours tenté de revoir l'image du général Issa Diawara qui est avec nous, puisque c'est son alter ego du côté de Bamako au Mali, du Kati précisément au Mali. Il est avec nous ce soir. Général Issa Diawara, bien le bonsoir. Oui, bonsoir à vous, mon cher Bachir. Bonsoir aussi à mon ami et frère Jonathan Batenguene qui est avec vous au plateau. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine qui est en train de nous suivre en ce moment. Et je vous remercie pour cette invitation. Merci d'être avec nous, cher Issa Diawara. Eh bien, nous parlons quand même d'un sujet qui touche votre voisin, la Côte d'Ivoire. Il s'agit, c'est vrai que c'est un sujet globalement africain, pour ne pas dire panafricain. Nous parlons quand même de l'obtention des titres de séjour. On l'a lu que ce soit sur les réseaux sociaux et un peu dans certains types de médias. Ça fait débat depuis quelque temps quand les gens ont réalisé qu'en Côte d'Ivoire, la carte de séjour pour un Français quand même coûte beaucoup, mais alors beaucoup moins cher que pour tout autre Africain hors de la zone CEDEAO. Et du coup, on s'est dit, mais que peut nous dire le général Issa Diawara? Ok, merci beaucoup. Sachez simplement que M. Alassane Dramane Ouattara est dans son rôle. Lui qui a enfermé sans état d'âme et une pauvre dame, plus chérie Balai, notre sœur. M. Alassane Dramane Ouattara, il est le point focal de la France-Afrique ici. Quand il met le prix, en tout cas de la carte de séjour, beaucoup plus élevé pour les Africains que pour les Français, pour les Européens, n'oubliez pas que c'est un monsieur qui se glorifie de s'être marié non seulement à une Française, mais de s'être marié en France. Donc vous voyez, jusqu'à quand il a le complexe devant l'homme blanc, devant le colon blanc, M. Alassane Dramane Ouattara, sa plus grande gloire, c'est d'avoir travaillé avec les colons. Il se glorifie d'avoir travaillé au niveau du FMI, vrai ou faux, nous ne savons pas grand-chose dessus. Il se glorifie d'être ami de Nicolas Sarkozy. Il se glorifie d'avoir une femme blanche avec lui. Il se glorifie, bien sûr, aujourd'hui d'avoir une base militaire française chez lui. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un complexé. Il n'est pas sa première fois à tout. N'oubliez pas que la CEDEAO a failli avoir une monnaie ici, une monnaie qu'on appelle ECO, et qui a été cassée, le projet a été cassé par M. Alassane Dramane Ouattara, qui trouvait que le franc CFA était une bonne monnaie. Il y a quelle excuse? Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux pour cet Africain qui pense que le franc CFA, c'est une bonne monnaie, il a tout fait. Tous les chefs d'État africains qui n'étaient pas pour le franc CFA, il a tout fait pour le dégager, pour le dégager de là. Donc lui, c'est un point focal, et lui, c'est le représentant des intérêts. Mais peut-être pour les Ivoiriens, pour certains Ivoiriens, c'est un chef d'État. Sinon, pour bon nombre d'Ivoiriens, ce n'est pas un président. Le vrai président de la Côte d'Ivoire a été extirpé de son palais présidentiel. Il a été enlevé de son palais présidentiel. Et donc, nullement, ça ne peut être M. Alassane Dramane Ouattara. M. Alassane Dramane Ouattara est en opération contre l'Amérique. Et là, même quand il dit 150 000 pour les Français, c'est juste une mise en scène. Vous n'allez jamais voir un Français se faire arrêter en Côte d'Ivoire pour défaut de papier. En tout cas, tant que M. Alassane Dramane Ouattara est présent. Mais par contre, il y a bon nombre des Africains qui peuvent se faire arrêter. Et il ne va jamais arrêter un Français pour cela. Et vous savez, son histoire de carte de séjour, en fait, c'est pour la France une façon de répondre à la volonté ferme du Mali, du Burkina et de la Guinée d'aller vers un État fédéral. Parce que pour eux, aujourd'hui, aller vers un État fédéral, pour peut-être des ressortissants maliens, burkinabés, guinéens, qui se trouvent en territoire ivoirien, il faut imposer des cartes de séjour et bien sûr une façon de dissuader les leaders de revenir en arrière. Mais ils ne comprennent pas. Même s'il veut la carte de séjour à 2 millions, le Mali ne va pas revenir sur son projet de l'État fédéral. Et je sais, le Mali, le Burkina, ils ne reviendront jamais sur un tel projet. Donc nous, nous sommes disposés à foncer. Et même s'ils mettent à 3 millions de francs, c'est pas. Pour nous, c'est l'occasion auquel les vrais Maliens reviennent au Mali. Longtemps, ils sont allés là-bas et nous pensons qu'il y a suffisamment de terre, il y a suffisamment d'eau ici, il y a suffisamment d'espace. Le Mali, c'est à peu près 4 fois la superficie du territoire aujourd'hui administré par M. Alassane Dramane Ouattara, donc ça ne vaut pas réellement une province du Mali. Donc, il y a suffisamment d'espace et nous savons comment les entretenir. Ceux qui aiment réellement la Côte d'Ivoire pourront y retourner, bien sûr, quand les panafricains viendront au pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avec Alassane Dramane Ouattara, je pense qu'il est temps de revenir au pays. Mais ce qu'il oublie, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Mais je ne pense pas que le Mali va tomber dans son jet. Alors, je suis là. Oui. Vous pouvez poursuivre. Je ne pense pas que le Mali tombe là dans son jet d'imposer des cartes de séjour, bien sûr, aux citoyens africains. Et il peut le faire. Les Ivoiriens et nous, nous sommes un seul grand peuple. Nous avons un même passé. Nous allons continuer. Parce que Ouattara va passer, comme beaucoup d'autres souverains ont passé, il va continuer son chemin et bien sûr, l'Afrique va continuer sa marche en avant. Nous n'allons pas tomber dans son jeu d'imposer des cartes de séjour à nos frères Ivoiriens qui vont se retrouver ici, même pas. Mais on ne va pas tomber dans les jeux de Ouattara, puis son objectif ultime, ce n'est pas l'Union africaine, mais c'est la division africaine. Or, nous, dans notre hymne national, on dit pour l'Afrique et pour toi, Mali. Donc, on met toujours l'Afrique en avant. Nous n'allons pas tomber dans son jeu, ça je le répète, j'insiste là-dessus. Tous les Ivoiriens qui sont ici sont chez eux. Parce que pour lui, quand les 3 pays vont quitter la CEDEAO, il faut directement les exposer au retour de leurs ressortissants. C'est un peu ça son jeu, une mesure dissuasive, mais je ne pense pas que cela puisse nous dissuader. Et 300 000 francs, c'est bon. Il peut même augmenter. Nous allons continuer notre marche avant. Merci. Oui, alors Issa Diawara nous dit 300 000 francs, c'est bon, c'est pas un problème. Alors, où se situe le problème dans ce cas, si le coût n'est pas un problème? Bon, le coût nous renseigne sur beaucoup de choses. D'abord, prenons l'espace CEDEAO. Selon les textes de la CEDEAO, tout citoyen de la CEDEAO jouit du privilège de la libre circulation dans l'espace de la CEDEAO, dans le cadre de ce qu'on appelle la création d'un marché commun. L'idée d'un marché commun dans l'espace de la CEDEAO émerge dans le cadre de ce qu'on a appelé le principe de fragmentation, le principe fractal. Le principe fractal veut que l'intégration par les petites entités, ça peut commencer par la commune, le département, la région, l'État, la sous-région, la région continentale et puis le monde. Donc, de façon fractale, l'intégration doit refléter l'idéal qui est l'intégration globale. Et à ce titre, dans la théorie fractale, il y a l'intégration sous-régionale qui devait être un préalable à la construction d'un marché commun africain. La CEDEAO a été un exemple. On peut lui reprocher d'être une CEDEAO des élites, mais en Afrique, elle fait office d'exemple en matière de libre circulation. D'ailleurs, les principaux axes routiers ont été conçus de façon à ce qu'il y ait une intégration relative de ces pays. Alors, M. Ouattara, le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, nous renseigne sur un élément. Il nous dit que désormais, il y a en Côte d'Ivoire les Africains. Quand vous regardez les prix, il y a un principe de discrimination qui fait que plus le prix est élevé, plus on vous signifie que vous êtes indésirable. Donc, Ouattara dit clairement aux Africains, vous êtes indésirable en Côte d'Ivoire. A contrario, il dit qu'il souhaite davantage avoir de Français sur son territoire parce que les prix sont les plus bas. S'il faut se placer dans l'économie, la rareté est due au fait certainement de la hausse, entraîne la hausse des prix et dont les Africains doivent se faire de plus en plus rares. Et la disponibilité entraîne la baisse des prix. Donc, les Européens, les Français devraient se faire de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. Ça confirme l'hypothèse que nous avons toujours émise suivant laquelle Ouattara n'est qu'un pion avancé. Mais est-ce que là, ce n'est pas quand même beaucoup plus les calculs de l'économiste qui voudrait quand même qu'il y ait plus d'investisseurs que de consommateurs, puisque en fait, les Africains sont quand même considérés comme étant beaucoup plus des consommateurs. Bien, Bachir. On va sur du principe d'un économique suivant lequel les Africains qui immigrent en Côte d'Ivoire seraient pour la plupart des consommateurs. Je suis d'accord. L'analyse est parfaite du point de vue du grand économiste qu'est Ouattara. Prenons donc les individus les plus fortunés de Côte d'Ivoire. Qui sont-ils? Eh bien là, on verra qu'en tête, il y a un Burkinabé. Je ne veux pas rentrer dans les noms, ça va donner l'impression de sa stigmatisation. Si vous regardez dans le secteur des transports, qui contrôle le secteur des transports? Les Maliens. On parle bien sûr d'attirer les investisseurs étrangers. Mais il se trouve que dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture même, le cacao, il y a beaucoup de Burkinabés. M. Ouattara, le grand économiste, statisticien en passant peut-être, parce que ce n'est pas tous les économistes qui sont statisticiens, a-t-il fait la statistique de ce que représentent les Africains qui investissent en Côte d'Ivoire? A contrario, il y a des entreprises françaises qui y sont. Dans quel secteur elles sont dominantes? Il faut noter que l'économie ivoirienne, contrairement à ce qui se dit, n'est pas totalement contrôlée par les Français. L'économie ivoirienne est contrôlée par les étrangers. Oui, ça c'est un fait. Mais ceux qui sont dominants, c'est les Libanais. Dans ces prix-là, pourquoi n'avoir pas, si c'était des calculs économiques, baisser les prix pour les Libanais, investisseurs de choix pour sur le territoire de la Côte d'Ivoire? Ce serait donc cohérent avec l'analyse statistique et les résultats quantitatifs. D'ailleurs, même s'il y a des corrélations à établir, avec même des tests statistiques, on aboutira à la conclusion qu'il faut attirer plus de Libanais sur le territoire ivoirien. Il ne s'agit donc pas de calculs économiques. L'hypothèse suivant laquelle il s'agit de calculs économiques est superfétatoire. Elle relève de la spéculation et de la justification de l'imposture. En fait, M. Ouattara veut faire plaisir à ses protecteurs. Parce que ses protecteurs, et l'un le disait déjà, Nicolas Sarkozy du Borsa, il disait que la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Suivant cette maxime, M. Ouattara s'inscrit en droite ligne avec cette vision de l'Africain. En d'autres termes, Ouattara, nous le disons souvent ici de manière un peu ironique, mais il le dit lui-même de manière claire dans ses politiques étrangères. Il n'est pas africain. Il dit qu'il vit en Afrique. Il est noir, mais il n'est pas africain. Il s'agit de président de la Côte d'Ivoire, un africain. Bachir, quelqu'un vous dit de manière... Un bourgeois n'a pas besoin de vous dire de manière... Bon, un noble dans les sociétés occidentales n'a pas besoin de vous dire « Bachir, je ne vous aime pas ». Il va dire « Interdit aux hommes avec les lunettes, l'accès à ma maison ». Hein? Et quand vous arrivez, on dit « C'est une règle. Il n'aime pas les hommes avec les lunettes, donc Bachir n'y entre pas ». Mais au fond, il a fait ça pour Bachir. Il dit « N'entre pas chez moi, moi je ne t'aime pas ». C'est ça. Donc Ouattara le fait de manière subtile. Il dit, je ne veux plus des Africains. Vous faites les révolutions chez vous. Vous risquez de faire une révolution chez moi. Moi, vous m'avez aidé à faire la révolution. J'ai chassé Gbagbo. Je connais votre force. J'ai utilisé les Maliens, les Guinéens, les Burkinais. Il connaît par quoi il est venu au pouvoir. C'est un chanteur ivoirien qui disait ceci. Et parce que Ouattara, quand même, il écoute les musiques et il sait que les musiques véhiculent l'art, n'est pas que pour distraire ou bien pour encenser les sens. Non, l'art c'est aussi pour éveiller la conscience. Et donc, un chanteur ivoirien de Zouglou disait, de façon dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Ouattara tire des conclusions. Il dit, ah, j'ai utilisé les Ivoiriens, on peut utiliser encore. J'ai utilisé les étrangers, on peut utiliser les étrangers pour me chasser. Voilà le message qu'il distille. C'est un homme dans la paranoïa qui a perdu toute sérénité, qui désormais voit le diable partout et surtout dans les Africains qui ne sont pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça, Ouattara. Il se dit que sa sécurité dépend des Français et que les Français plus nombreux en Côte d'Ivoire, c'est un gage de sécurité. Mais il se trompe. Il devrait relire Machiavel si lui n'a pas lu Machiavel. Machiavel dit que chaque fois que tu amènes des mercenaires pour ta sécurité, tu es plus en danger que si c'était ton peuple. Donc Ouattara lui-même, il n'a pas de principe de gouvernance. Donc il n'est pas bon économiste. S'il fallait s'en tenir aux statistiques, il n'est pas bon économiste comme il le prétend. Deuxième, sur le plan de la gouvernance, il est mauvais calculateur au plan rationnel de Machiavel. Il se tire une balle encore dans la chaussure. Et quand il finira estropié, il ne devra pas se plaindre. Le peuple ivoirien qui a reçu ce message, c'est ce peuple qui depuis commente avec véhémence et rejette cette décision inique du gouvernement ivoirien. Monsieur Ouattara dit, je suis noir, je suis en Afrique, mais je ne suis pas africain. Je ne me sens pas solidaire des Africains. Je suis comme Nicolas Sarkozy. Et je dis aux Africains, la Côte d'Ivoire n'a pas vocation à accueillir la misère de l'Afrique. Voilà les propos de Ouattara dans cette décision-là. Mais il ne l'a pas dit comme ça. Je veux dire, vous interprétez... C'est quand même Sarkozy qui l'a... Vous analysez... Vous analysez la... Non, Bachir, il y a ce qu'on appelle une convergence idéologique. Oui, c'est Sarkozy qui a amené Ouattara. Je dis que Ouattara, le président, ne l'a pas dit de ces mots. Bachir, nous avons la vocation, nous avons le devoir d'analyser et de décrypter les codes derrière. Et vous êtes dans le code derrière, c'est celui-là. C'est dire que, oui, je suis africain, je suis en Afrique, je suis noir, mais ne me considérez pas comme un de vous là. Vous êtes des misérables, je vous méprise et je vous dis que vous êtes des pauvres qui ne méritaient pas être sur ce territoire. Mais si Ouattara ne se sent pas africain, il n'a qu'à faire une chose qui nous aidera bien, qu'il démissionne de la présidence de la Côte d'Ivoire, qu'il aille vivre en France. Mais les Ivoiriens seront fiers de voir qu'il a démissionné, qu'il est parti. Et un président ivoirien qui sait qu'il est africain et qu'il a besoin des Africains pour se sentir en sécurité, va assouplir les conditions pour tous les Africains. Je tiens à rappeler, Bachir, vous avez parlé d'éléments comparatifs. Oui. Comparaison n'est pas raison, les Africains aiment le dire. Mais la comparaison permet quand même de voir les logiques de chacun. Oui. Le Cameroun est un pays qui a... Ce n'est pas moi qui le dis. Apparemment, le FMI a trouvé bon aujourd'hui de comparer désormais Cameroun et Côte d'Ivoire. Ben, c'est peut-être en écho à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais nous n'allons pas amplifier la chose. Nous allons juste utiliser cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité pour apporter des éléments. Le Cameroun, à contrario, dans cette politique-là, dit que pour les étudiants, c'est 30 000 francs. Indépendamment, hein, on ne veut pas voir français, pas français. 30 000 francs. Vous êtes étudiant, c'est statut général. Vraiment, on veut les étudiants au Cameroun. Vous avez vu dans la politique de Ouattara, là, il y a un prix préférentiel pour les étudiants? Pas encore. Non, lui, c'est les nationalités. Il est dans la politique classique de la France-Afrique. Le tribalisme, l'ethnicisme, le conservatisme, tout ce qui en fait crée de la xénophobie, il est là en plein dedans. Deuxième élément, le Cameroun met pour les Africains 200 000 francs. Et on dit bon, pour les Français 250 000 francs. Ça veut dire qu'au Cameroun au moins dit que moi je veux plus d'Africains ici. Même si vous dites que vous n'avez pas l'argent, moi j'aime quand mon toc-toc, quand on dit toc-toc au Cameroun, c'est le gars, le cordonnier. Oui. C'est le cordonnier parce que c'est les Nigériens qui ont le monopole dans le secteur de la cordonnerie au Cameroun. Quand on veut voir notre cordonnier, on veut voir un Nigérien. Quand ta chaussure s'est décollée là, où est le gars qui va passer? Et vraiment, le Nigérien, quand il passe, on les connaît tous. C'est Maliki, c'est Moussa, c'est Mohamed. Ils sont nos amis. On dit, pardon, viens me refaire la chaussure. Quand tu veux avoir... Tu veux faire fondre le fer, tu cherches un Malien. On sait que les Maliens, c'est le secteur, le fer, la ferraille. On connaît tous ces secteurs. Quand tu sais que tu as une boutique au quartier où tu veux du bon pain chaud avec du chocolat, tu vas chez un Sénégalais, un Guinéen. On connaît. Quand tu vois un restaurant, en fait, toutes ces nationalités sont intégrées et apportent à l'économie camerounaise. On leur dit, c'est 200 000 pour les Africains. Un Français, c'est 250 000. Comme quoi, le Cameroun dit, nous, on préfère avoir les Camerounais, on préfère avoir les Africains que d'avoir les Français sur le territoire camerounais. Et puis, on dit les autres qu'on ne connaît pas, les autres, les Portugais, les Anglais, bon, eux, c'est encore, eux, c'est même 300 000. Vraiment, eux, ils peuvent même décider de ne pas venir, ce n'est pas un problème. Il y a d'avoir un problème de langue avec eux. On ne s'entend pas très bien. Mais en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que le président fait. Il dit pour les Africains, c'est 300 000. Pour les Français, 200 000. L'écart, c'est abyssal. 100 000 de plus. Il veut dire, mais les gars, foutez le camp de ce pays. En d'autres termes, quittez, rentrez chez vous. J'ai peur, je ne veux plus de vous. C'est ça le message derrière. Je retourne un tout petit peu vers le général Diawara. Général Issa Diawara, alors, quand un tel débat refait surface au moment où l'Union africaine est en train de joindre bec et ongle hein, pour pouvoir arriver finalement à cette ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, est-ce que cela ne sème pas d'autres doutes quant à la matérialisation, la réalisation même de cette zone de libre-échange? Monsieur Bachir Landan, effectivement, vous avez un peu marché sur ma langue. J'aimerais dire que Ouattara a fait sa juste à la veille même du sommet de l'Union africaine. De qui se moque-t-on? Ou bien quel est le vrai visage de cette fameuse Union africaine qui est en réalité la division africaine qu'il est en train d'étaler au grand jour? Comment M. Ouattara peut se permettre un tel comportement et aller serrer la main des chefs d'État africains il est en train de menacer aujourd'hui les ressortissants qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone CEDEAO, mais que deviennent-ils tous ces Africains qui ne sont pas membres de la CEDEAO? Je pense déjà on en avait assez avec cette histoire de carte de séjour en Afrique. Et des Africains qui doivent payer des cartes de séjour et de leur séjour africain en Afrique à d'autres Africains. On est déjà contre ça. Nous voulons mettre fin à cette histoire et voilà que M. Ouattara nous ramène encore autre chose sur la table. Quand il dit les Français, mais et les autres Européens, ils n'en font pas partie. C'est là aussi le piège. Parce que tous les Français ont un passeport de l'Union Européenne. M. Bachir Landa. Les Français n'ont pas de passeport français. Alors, petite interruption avec la ligne de Diawara. J'espère qu'on pourra y retourner très rapidement. Donc, oui, général, allez-y. Je continue. Oui, vous allez. Un appel de la Côte d'Ivoire, peut-être c'est un mouton de Ouattara qui essaie de m'occuper. Quand il dit que les Français doivent payer 150 000, mais aucun Français n'a le passeport français. Tous les Français ont le passeport de l'Union Européenne. Mais il fallait qu'il dise tout simplement le passeport de l'Union Européenne. Donc, c'est là l'amalgame. C'est ça que moi, je ne comprends pas dans son histoire. C'est pour vous dire qu'en réalité, Alassane Ouattara, c'est un traître. En réalité, il n'y a pas de carte de séjour imposée aux Français. C'est du faux, c'est une opération de communication. Sa carte de séjour vise exclusivement les Africains et non les Français. Les Français, ils la font juste pour masquer quelque chose, et il sait bien qu'il n'y a plus de passeport français. C'est le passeport de l'Union Européenne. Tout comme moi, je n'ai pas aujourd'hui un passeport malien, mais un passeport de la CEDEAO. Donc, il le sait pertinemment bien en jouant à ça. En réalité, ce sont les Africains qui sont dans son viseur. Il veut en réalité continuer sa mission de diviser les Africains. Merci. Alors, de manière générale, est-ce qu'en Afrique, on a besoin de tous ces documents si l'on veut véritablement rendre réelle l'unité africaine tant prônée au-delà de l'unité politique qui est d'ailleurs en train de se dessiner d'une certaine manière? Monsieur Bachir Landan, les Européens, quels que vous soyez français, allemand, qui ça, et danois, suédois, vous circulez librement. Ils n'ont pas de problème. Et ce sont les parrains même d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il ne va pas s'inspirer de ses parrains? Mais pourquoi en Afrique, il faut imposer des documents aux Africains? Okay. Pourtant, quand ils vont en Europe, mais ils circulent librement entre les pays européens. Pourquoi ils veulent imposer quelque chose ici contre les Africains? Donc ça n'a pas de sens, on n'a pas besoin de documents, nous n'avons même pas besoin de ces frontières. Il est temps pour nous d'aller ensemble, de nous donner la main. Monsieur Bachir Landan, quand on est coupé, dites-vous, les moutons de Ouattara trouvent, quel qu'en soit le numéro que je prends, ils trouvent mes numéros. Et quand je tape sur Ouattara, ils essaient de couper. Quand c'est sur la France, les Français font tout pour saboter les réseaux. Ça fait partie du combat, nous devons être forts pour gagner ce combat. Je dois tout simplement préciser qu'en Afrique, on n'a pas besoin, pas de documents, on n'a même pas besoin de ces frontières. L'Afrique doit être une vaste zone de libre-échange pour les Africains, pas pour les Occidentaux. Pas une zone de libre-échange comme on veut faire à l'Union africaine pour faire circuler les marchandises occidentaux en Afrique. Ça doit être une zone de libre-échange pour les produits africains, pour les Africains en Afrique. Si vous abandonnez les produits fabriqués dans un pays quelconque africain, par exemple, on fabrique quelque chose chez vous au Cameroun, à bon prix, moi j'abandonne ça. Par complexe, je vais acheter quelque chose du côté de l'Espagne ou de l'Allemagne. Normalement, on doit m'interdire de circuler librement avec ça en Afrique. Parce que quand il dit zone de libre-échange, il s'agit de concurrencer les productions africaines en Afrique. C'est un peu cela la vraie question qui est sur la table. Voici le piège qui est dans ce qu'on appelle, c'est pourquoi on pousse. On dit qu'il faut aller vers la zone de libre-échange en Afrique, mais en faveur de qui? Pour qui et contre qui? C'est bien sûr contre toute productivité africaine, pour bien sûr les Occidentaux, et c'est pour que ce soit des gens comme les Ouattara qui poussent à ce projet, et au même moment, des gens comme les Ouattara imposent encore des documents de séjour, bien sûr, aux Africains en Afrique. Il y a quelle cohérence d'idées dans cette démarche? Merci. Merci à vous, cher général Diawara. Donnons la parole à nos téléspectateurs. Certainement ont-ils un mot à dire, puisque il y a forcément une manière de gérer cela dans différents pays. Sidi nous appelle du Bénin d'ailleurs. Bonsoir Sidi. Bonsoir, Bachir Ladan, vous êtes journaliste en Angleterre. Bonsoir. Je dis assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bonsoir, Jonathan Batenguene. On salue le courage de la capacité de Bonsoir, Issa Diawara. Alors, la qualité d'écoute n'est pas très bonne, mon cher Sidi. Alors, je ne sais pas si le problème vient de la ligne de notre ami Sidi ou d'ici. En tout cas, on va essayer de voir ça très rapidement. Allons donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vois la Mindjep qui essaye de nous joindre. Allô, bonsoir. Je dis, le cas de Nestor Podassé devient très préoccupant. Oui. Et nous pensons que vraiment, il est temps que la galaxie panafricaine prenne ses responsabilités pour qu'on finisse carrément avec cette affaire. Bachi, c'est depuis le 19 septembre 2002 que le malheur a frappé la Côte d'Ivoire et le continent africain, avec pour premier instigateur Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur est le malheur qui puisse arriver en Afrique, Bachi. Lorsque Laurent Gbagbo a refusé de payer le loyer de la présidence ivoirienne à la France, c'est lui qui a rétabli les Français et paye aujourd'hui le loyer à la France. Il est temps qu'on parle. Gbagbo a voulu vendre le cacao chinois à un meilleur prix. C'est lui encore qui a décrété tout et remis à la France qu'on appelle le cacao gratuitement. Le même Laurent a voulu changer la monnaie. C'est lui encore, Bachi, qui a refusé. Conséquence, Gbagbo s'est retrouvé injustement en prison. Aujourd'hui, Bachi, c'est une suite logique. Lorsque Ouattara refuse la carte de séjour, comme on appelle aux Africains, que les Français aient ça facilement. Ce n'est qu'une suite logique. Ce sont plusieurs actions. Donc il est en train de suivre une logique. Celui qui est capable de remettre les ressources d'un pays à la France, ce n'est pas la carte de séjour Bachi qui va leur faire défaut. C'est une sorte de logique. Maintenant, il y a curieusement des questions que je commence par me poser, Bachi. Est-ce que franchement, en Côte d'Ivoire, il y a des panafricanistes? Ou bien tout au moins des nationalistes ou patriotes? Parce que c'est très dangereux. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire représente le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Surtout l'Afrique francophone. Mais on ne peut pas comprendre qu'on puisse prendre en otage un pays comme la Côte d'Ivoire et que les nationalistes et la population ivoirienne se taisent. Ce ne sont pas les Béninois ou bien ce ne sont pas les Togolais qui viendront se battre qu'on appelle pour eux. Il faut qu'ils commencent, même si nous on vient, pour les aider, pour les épauler. Mais c'est très dangereux, Bachi. Aujourd'hui, moi, ce que je propose comme solution est qu'on puisse dégager ce monsieur. Je ne sais pas si mon frère Okosisi Baba Nicolo m'entend, que tout le monde, au niveau de la Côte d'Ivoire, les panafricains, les nationalistes, les patriotes, la population se lève. Parce que trop, c'est trop. Puisqu'on ne sait pas là où il va nous amener. Les élections qui s'approchent là, combien il va encore sacrifier Bachi? Parce que c'est un homme sans cœur. Hein? Un homme sans cœur. Il va encore sacrifier. Nous allons entendre qu'on appelle Doucoué se reproduise. Ou bien nous allons attendre encore 8 000 mois ou bien 10 000 mois avant qu'on ne réagisse. Quand est-ce qu'on va réagir? Lorsqu'on a peur de mourir, on souffre déjà de la mort. Il vaut mieux vivre, il vaut mieux mourir pour que la descendance vive mieux. Sinon, à quoi ils vont servir en Côte d'Ivoire? Franchement, Bachi, je suis désolé, mais je doute d'abord qu'il y ait en Côte d'Ivoire aujourd'hui des panafricanistes ou bien des nationalistes. Pour que c'est quoi la France? Tous les jours, c'est la France. Tout ce qu'on prend, tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara prend, il remet à la France. Même les urines de la Côte d'Ivoire, les Français savent là où ça se trouve. C'est quoi cette histoire? Ils sont africains. L'esclavage ne suffit pas. La colonisation ne leur a pas suffi. C'est quoi encore ce néocolonialisme suicidaire, sauvage? Vraiment, Bachi, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je suis très énervé. Et il est temps que les panafricains du côté de la Côte d'Ivoire nous montre pourquoi ils sont vraiment capables, qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'on a trop parlé, il faut qu'on agisse. On a trop parlé, il faut qu'on agisse. Les actions, les paroles, c'est terminé. Merci à vous, cher Sidi, depuis le Bénin. Vous parlez de la Côte d'Ivoire et le plus ivoirien de nous tous est au bout du fil. Il s'agit d'Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladon. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Oui, Bachir, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue les deux lions intrépides, le Jonathan Batenguene, sont à saluer avec déférence, et Issa Diawara, sont à saluer depuis ta position avec déférence. Je salue tous les techniciens, en particulier Marius et tous les appelants. Et ma parenthèse aujourd'hui, c'est de demander encore une fois de plus à la Cour de justice burkinabé de libérer le combattant Podassé sans condition. Parce que nous disons qu'il n'a rien fait en ce plein siècle-là, comparé à tous les méfaits en ce plein 21e siècle que les Français font sans être jugés en Afrique. Donc, qu'ils soient libérés sans condition. Parce que si ce n'est pas le cas, le gouvernement de transition aura affaire au panafricanisme. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la problématique aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours dit, nous les panafricanistes, que Alassane Dramane Ouattara est la calamité, est une calamité pour toute l'Afrique. Voilà ce que celui qui a nié hier, qu'il n'était pas celui qui avait envoyé l'arme de séjour, qui a divisé la Côte d'Ivoire et qui a apporté la guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, en ce moment où on parle d'unité, où trois pays veulent s'unir pour commencer à faire l'unité africaine, la vraie unité africaine, lui, il est toujours le contre-exemple. Il en a eu de tout ce qui est bon pour l'Afrique. Tout ce qui est bon pour la France, c'est ce qui est bon pour lui. Mais tout ce qui est bon pour l'Afrique, c'est pas bon pour lui. Donc, il nous prouve une fois de plus qu'il est l'ennemi juré de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce que moi, je me dis toujours. Dieu me dit qu'il est préférable qu'une personne meure que 100 personnes meurent. C'est-à-dire qu'une personne qui est celui-même qui est pourri, qui est la calamité, qui est Alassane Dramane Ouattara, il est préférable qu'il meure que lui, par ses méfaits, il fasse mourir une multitude. Vous comprenez? Donc si nous, les Africains, étions sérieux, on allait se mettre ensemble, plus on s'est ennemis, plus que jamais, c'est une personne. La personne Alassane Dramane Ouattara. Et toi, monsieur, Alassane Dramane Ouattara, c'est tout. Moi, je ne plus parce que c'est un Dieu qui ne s'agit pas. Alors qu'en Afrique, on dit que l'âge est pour l'être humain. L'âge rend plus fort l'être humain. Mais lui, il devient con. Et puis, lui, sa manière d'être con, c'est de tuer les gens. Il veut toujours tuer les gens. Parce que telle mesure-là, c'est pour créer la chiennie en Côte d'Ivoire encore, pour qu'il y ait les meilleurs morts des Africains. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Vous comprenez? Il provoque toujours la guerre pour que lui, la puisse rester au pouvoir. Donc, nous disons que le monde des autres Africains, le plus c'est trop, il faut que lui seul, il meure pour que les jeunes puissent vivre. Parce que c'est lui le vieux con qui a tout fait dans la vie, mais il ne comprend pas que son temps est fini, qu'il doit laisser les jeunes vivre. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye pour nous. Merci M. Abou depuis l'Angleterre. Restons avec nos frères et sœurs ivoiriennes et surtout les sœurs. Alice Kouassi est au bout du fil. Alice, bonsoir. Ok, bonsoir Bachir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. En ce qui concerne la carte de séjour, j'aurais souhaité que ce dont Ouattara a parlé, c'est-à-dire que ceux qui ne feront plus partie de la CEDEAO, de payer 300 000 et les expatriés vont payer moins cher, c'est-à-dire peut-être 150 000, je ne sais pas combien, là, je ne me rappelle plus. Le problème, c'est qu'aucun Français ne payera un sou. Aucun Français ne va même pas donner un centime à Ouattara. Il fait tout ça pour berner les Africains. Parce que ça, c'est la publicité. Ouais, les Français vont payer comme ça. Depuis quand un Français va donner 5 francs à Ouattara? C'est le contraire, c'est lui qui donne l'argent aux Français. Si Ouattara, là, il a vidé la caisse de l'État, il a tellement pris les crédits à gauche, à droite, il ne sait même plus comment faire pour rembourser les dettes. Les Maliens qui prennent leurs marchandises au port d'Abidjan, ils ne vont plus en Côte d'Ivoire, ils vont en Guinée. Ouattara, il cherche crédit partout, il ne trouve pas. Donc, ce n'est pas sur le dos de nos frères qui viennent d'ailleurs qu'il va récolter 300 000, 300 000. Ils sont combien de millions en Côte d'Ivoire? Si tous ceux-là payent 300 000 francs, c'est-à-dire que lui, il veut renfouler sa caisse. Non, aucun membre de la CEDEAO, ou bien ceux qui ne feront plus partie de la CEDEAO, ne donnera même pas un sou à Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. Lui, il est burkinabé. La Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Même si le président des Ivoiriens, président autoproclamé, ce n'est pas pour lui la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun droit sur la décision des Ivoiriens parce que d'ailleurs les Ivoiriens ne l'ont même pas élu. Et d'ailleurs, Ouattara, s'il veut imposer une carte de séjour aux ressortissants, ceux qui ne feront plus partie de la CEDEAO, il va falloir que lui aussi paye 300 000 francs par an ou par mois, je ne sais plus combien, mais lui aussi doit payer. Parce que lui, il n'est pas ivoirien, il est étranger. Donc, il doit payer aussi. De quel droit lui se permet de dire ceux qui ne feront plus partie de la CEDEAO doivent payer 300 000 francs? Lui, il a déjà payé ses 300 000. Quel Ivoirien qui lui a demandé de payer 300 000, puis il dicte les sommes colossales aux frères qui souffrent déjà. Hein? Donc, Ouattara, qu'il arrête d'emmerder tout le monde, parce qu'aucune personne de l'Afrique ne veut de lui, sauf sa femme seule. C'est sa femme Dominique seule qui préfère Ouattara. À part sa femme, personne ne veut le voir. Parce qu'il emmerde tout le monde. Je vous remercie. La contribution, on va rester au téléphone. Lamine Diop depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir M. Diawara, M. Batenguene. Disons que, mon cher Bachir, la thématique qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire à propos de la politique incolore et inodore de Dramane, qui est absolument significative de la pathologie politique qui terrasse généralement les nations noires africaines, similaires à cette Côte d'Ivoire, est bien constatable ici, entre autres. Mais permettez-moi, et naturellement par mon intervention, d'accentuer un détail tout nutrient que Charles Kenny a soulevé furtivement hier et qui me paraît plus important dans ce travail de conscientisation que les chicaneries de Dramane Ouattara. Il est évident que, mon cher Bachir, en ce qui se passe actuellement en Turquie, il y a une forte suspicion sur la capacité des États-Unis et l'Israël à provoquer des tremblements de terre artificiels contre leurs adversaires, étant comme une sorte d'une nouvelle arme géologique. D'ailleurs, l'année dernière, les Israéliens, les gendarmes américains de la sous-région, c'est-à-dire le Moyen-Orient, se sont vantés d'une nouvelle méthode qu'ils savent désormais prédire les tremblements de terre en 48 heures avec une probabilité de 80%, ne laissant aucun doute sur le fait que le tremblement de terre le plus puissant de Turquie, selon une version, aurait pu être causé artificiellement. Et aussi, cela a été aussi confirmé par ce professeur agrégé du laboratoire de sismologie de l'Université d'État de Moscou, c'est-à-dire Madame Anna Lyusina. Donc, là, aujourd'hui, on se pose la question, si le tremblement de terre est encore artificiel, alors qui en profite? L'Union européenne, à laquelle le gaz est également fourni par la Turquie, actuellement, pourrait souffrir d'un incident. La société d'État turque Botas, qui exploite des oléoducs, des gazoducs, a annoncé la suspension de l'approvisionnement en gaz par des pipelines dans la zone du tremblement de terre. La catastrophe pourrait faire le jeu des États-Unis, eh oui, qui s'oppose à la construction par la Russie d'un hub gazier en Turquie. Cela peut être à la fois un avertissement, mais aussi une tentative directe de ruiner le projet. Tout ça pour dire, mon cher Bachir, on devrait peut-être s'occuper de notre éveil de conscience clairement et choisir notre camp avant qu'il ne soit trop tard. Tout cela est fou. au lieu de s'occuper de ces chicaneries de Dramane Ouattara. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Dramane Ouattara, avec sa carte de séjour dictée par un des hauts fonctionnaires français, car rien que le nom carte de séjour, nous sommes ici dans du copier-coller, du côté de son maître, la France. Même la Suisse voisine a imaginé son propre concept administratif souverain à propos des cartes d'établissement pour étrangers, sous le nom de permis pour étrangers. Voyez-vous, mon cher Bachir, un serviteur n'a pas d'imagination ni d'avenir. Et Poutine le synthétise si bien avec cette citation. J'ouvre les parenthèses. Si un pays ou un groupe de pays est incapable de prendre des décisions souveraines, cela signifie qu'il est déjà une colonie dans une certaine mesure et que les colonies n'ont historiquement aucun avenir. Voilà ce que j'en pense de l'administration de plantation de cacao française du côté de la Côte d'Ivoire sous la gestion de Dramane Ouattara. Merci, belle fin d'émission, à bientôt, ciao. Et à vous également, Lamine Diop. On va prendre 3 appels, certainement ce seront les derniers. Mohamed de Londres nous appelle, ensuite Zirfel et puis Gallo Sely. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Bassir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et bonsoir à l'oncle Diop, infatigable, le point d'ancrage du combat. Je t'encourage, je te soutiens, je te supporte. Et bonsoir Issa Diawara, que j'ai la chance de saluer en live aujourd'hui. Et je lui demande de présenter aussi mes salutations à sa grande sœur, à Nina Fofana, par la même occasion. Oh, eh bien sûr, cette carte de séjour, c'est une arme géopolitique que Ouattara a levée contre ces 3 pays qui veulent fédérer, qui veulent se mettre ensemble. Bon, parce qu'il a peur. Il a peur parce que d'abord, la Côte d'Ivoire sera déclassée dans la sous-région quand les 3 pays vont se mettre ensemble. Et ce serait la fin aussi de la CEDEAO. Et comme le disait Jonathan Batenguene tout à l'heure, Jonathan, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et quand je voyage, peut-être par avion, à l'aéroport, on ne paie pas. Mais quand tu prends par les frontières, tu paies. Toutes les fois, moi, je me suis rendu au Nigeria, à la frontière, j'ai payé. Malgré mon passeport ECOWAS. Puisque nous avons un passeport ECOWAS, ça veut dire passeport Afrique de l'Ouest. Chaque fois, je me suis rendu au Ghana, j'ai payé. J'ai encore les... Comment on appelle ça? Le sceau de ces, du paiement ou bien du visa, de ce paiement dans mon passeport ECOWAS. Donc, c'est pour dire quoi? Et que le Mali continue sur sa lignée. Et moi, j'aimerais que les 2 pays qui sont avec le Mali prennent des actes de représailles à l'endroit de la France. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour renvoyer les ambassadeurs en Guinée et au Burkina. Ils n'ont qu'à renvoyer les ambassadeurs français comme représailles, actes de représailles contre cette carte de séjour. Et comme ça, ils vont à grands pas, ils créent leur monnaie, ils quittent le CFA. Et quand ils vont commencer par mettre ensemble leurs unités de production, lever les barrières frontalières, et comme ça, ils vont créer une union. Et cette union, c'est la Côte d'Ivoire qui aura besoin de cette union. Ce ne sera plus les pays là qui auront besoin de lui. Donc, parfois, on pense faire du mal aux autres, mais on se fait parfois harakiri. Hein. Donc, Alassane Ouattara, malheureusement qu'il est en train d'engager la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, je ne veux pas garder la ligne parce qu'il n'y a plus assez de temps à bâtir. Bonne continuation. Bien de choses aux techniciens. Après, For You Media, another view of the world. The view of the world. Merci à vous. Et bien sûr, nous allons prendre les 2 derniers appelants, comme on le disait. Zerfel, tout d'abord. Zerfel, bonsoir. Bonsoir, Basti. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir à tous les techniciens de la télévision For You. Et moi, je vais dire quelque chose de vraiment... D'abord, je dis merci à Jonathan. Parce qu'il a dit ce que Alassane, pourquoi il a mis ce genre de taxes ou de quoi, pour qu'il fasse payer, comment dirais-je, les gens qui l'ont sauvé hier, il va les faire payer de l'argent, parce que c'est un monsieur, il n'est pas reconnaissant, parce que le plus souvent, les gens s'engagent sans savoir ce qui est ce monsieur. Le président Gbagbo a dit, vous êtes derrière quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça aujourd'hui. Les Maliens, les Burkinabés aujourd'hui, ils regrettent et les Guinéens regrettent. Parce que ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils connaissent. C'est ça, la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la carte de séjour qu'il vient de mettre, il a mis ça avant, et le président Gbagbo est venu l'enlever. Et maintenant, il remet parce que les gens ils disent que c'est un vieux con qui est là, excusez-moi du mot, et qui est là, il ne sait même pas comment il va développer son pays. Nous, on ne va pas traîner nos pas derrière ces genres de personnes. C'est ça qui l'a énervé, parce que c'est un monsieur, ils n'aiment pas qu'on on le contredit. Quand il dit quelque chose, on doit s'abaisser comme si on était au Burkina, où le Namba, comment il s'appelle les gars là, quand, pour le saluer, il faut te coucher par terre. Hein? Donc, ils pensent que c'est la même chose. Non, le monde a évolué, les choses ont évolué. Donc, lui, aujourd'hui, ils n'ont pas, quand on lui dit que ouais, ce qu'il est en train de dire, c'est du faux. C'est pourquoi les jeunes, ils sont mis ensemble, ça les nerfs. Aujourd'hui, c'est nous qui allons payer. Parce que les deux pays, comme, on dirait, comme le Mali et le Burkina, les marchandises passaient en Côte d'Ivoire. On avait des milliards par an. Aujourd'hui, ils vont partir en Guinée. Qui va perdre? C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Et lui, aujourd'hui, ils disent que, comment dire, les Français. Parce que Jonathan a dit quelque chose. Ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui font la loi, ce sont les Libanais qui ont rempli la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme s'ils étaient, si c'est un deuxième quartier du Liban. Ils font la loi sur les gens. Et ce sont eux qui achètent les produits n'importe comment. Ils fixent le prix. Quand l'État fixe le prix, et ils ont leur prix, comment dirais-je, dans les champs, avec les paysans. Et ils font de la merde avec toutes ces choses-là. Parce que, à un moment, quand le président Gbagbo était là, ce sont des gens qui ne payent pas des impôts. Quand le président Gbagbo est venu, il a arrêté beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire qui ne payaient pas d'impôts. C'est vrai, ils étaient aigris contre le président Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, ces Libanais-là, quand ils parlent, parce qu'il a parlé des Français, pourquoi il n'a pas parlé des Libanais aussi? Pour dire que les Libanais vont payer telle somme. Pourquoi il n'a pas dit ça? Voilà la vérité. Jonathan a tout compris. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas dit. Ce qu'il pense là, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il ne peut pas venir devant tout le monde pour dire que moi j'ai fait ça. Ça, c'est la même chose. Parce qu'il veut dire que vous, les Africains là, vous ne me respectez pas là. Vous allez rentrer chez vous. C'est tellement simple. Alors, moi, quand il fait ça là, peut-être ce n'est pas à cause de nous. Parce que ceux-là, on a vécu longtemps avec ces Maliens, ces Burkinabés, ces Guinéens. Aujourd'hui, quand il vient, puis il est en train de mélanger ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils l'ont suivi comme, comment dire, aveuglement, ce monsieur. Mais là, il montre maintenant, à plus bête que lui, il ne s'amuse pas avec les gens. Voilà la vérité. Merci, Jonathan, de ce que ton analyse, ça m'a tellement plu que c'est pourquoi j'ai appelé. Parce que vraiment, tu as dit la vérité. Parce que ce que ce Burkinabé de merde, là, il pense, c'est ça qu'il dit, là. Merci à vous, cher Zerfel, pour la contribution. Dernier appelant de la soirée, Gallo Sely. Bonsoir, Gallo Sely. Gallo Sely, bonsoir, vous m'écoutez? J'espère que la santé de notre ami Gallo Sely, ça va beaucoup mieux. Ils se sont eux qui achètent le monde. Gallo Sely, vous m'écoutez? Bonsoir. D'accord, Gallo Sely un tout petit peu distrait. Certainement, les enfants, on entend des bruits tout à côté. Donnons donc un dernier mot à Issa Diawara. Général Diawara, comment nous sortons de cette édition? Finalement, la carte de séjour, elle est bien là. Le prix est fixé. Eh bien, que devraient faire les Africains face à cette situation? Monsieur Bachir, pardon, si vous pouvez reprendre la question. Nous, les Africains, qui aimerions séjourner en Côte d'Ivoire, finalement, que devrions-nous faire? Oui, mais que devrions-nous faire? C'est de dégager Alassane Dramane Ouattara. Et nous n'avons pas autre alternative. Vous voulez que nous abandonnions la Côte d'Ivoire entre les mains de M. Ouattara? Non. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour lui. Il est venu trouver la Côte d'Ivoire sur pied. C'est un pays africain. Et nous n'avons autre alternative que de dégager M. Alassane Dramane Ouattara Ce n'est pas à lui de dégager les Africains. C'est aux Africains de dégager M. Alassane Dramane Ouattara et de remettre bien sûr la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et je pense qu'il y a un appel là qui a intervenu dans ce sens. Et je salue tous les appels là, ils ont mes sincères salutations, qui dit peut-être que pourquoi les Ivoiriens laissent peut-être Alassane Dramane Ouattara faire. Mais il faut savoir que les Ivoiriens sont dans une grande prison entre les mains de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est un pays transformé en prison à ciel ouvert. Donc les gens ne sont pas libres là-bas. Vous faites un discours seulement, regardez le seul voyage de cette dame-là pour Chérif Balel, simple voyage. Elle a été emprisonnée. Des gens qui s'opposent à la réélection de Ouattara se font assassiner. On a vu la tête d'une personne qu'on a joué comme du ballon ici. Ça ne fait rien. Mais M. Ouattara a reçu le kittis entre les mains des Occidentaux pour terroriser, pour terrifier, bien sûr, les Ivoiriens. Nos frères Ivoiriens ont besoin de nous, je pense, et pas l'inverse. C'est à nous d'essayer de développer des stratégies qui soient solides, qui puissent les aider, bien sûr, à se libérer des griffes de M. Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas autre alternative. La seule alternative, c'est de parachuter Alassane Dramane Ouattara. Que tous les Africains, celui qui sait bien prier Dieu, qui prie Dieu pour que Ouattara tombe. Celui qui sait, bien sûr, qui se dit bon chrétien, qui l'appelle Jésus et Seigneur pour qu'Alassane tombe. Celui qui se dit être de nos ancêtres, de nos aïeux, bien sûr qu'il aille adorer tous ceux qui s'est adoré pour que, bien sûr, Alassane Dramane Ouattara tombe. Donc, tous les moyens sont bons, toutes les stratégies sont bonnes, bien sûr, pour faire aujourd'hui tomber Alassane Dramane Ouattara. Parce que si nous ne faisons pas tomber Ouattara, il risque de nous faire tomber. Je vous remercie. Cher général Issa Diawara, on en profite pourquoi pas pour passer un petit bonsoir à Gaspard Dieudonné qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Alors, Jean Sapono est maintenu en attente depuis. Alors, donnons une minute à Jean Sapono. C'est vrai qu'on est à la fin de l'émission. Jean, bonsoir. Bonjour Bachi, bonjour Jonathan, bonjour Sadiara, bonjour technicien, bonjour à tous ceux qui écoutent For You Media. Bachi, oui, le problème est tellement crucial en Côte d'Ivoire. Ouais, voilà les gens comme Ouattara qui forment l'Union africaine. Et on parle de l'unité africaine. Et Ouattara est choisi par la France pour mieux jouer le jeu. Mais si Ouattara n'est pas là aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez voir encore d'autres façons qui vont sauver le trouble, la zizanie entre les frères du pays ou bien de la région. C'est ce que fait la France toujours. Ce que dit Ouattara, ça fait partie de l'agenda de la France. Alors, pour moi, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est ceci. C'est pas seulement aux Ivoiriens, et aussi à tous ces pays-là qui contiennent la France. Il faut tout faire pour faire partie de la France de vos pays. Bachi, le problème est là. La France, quand elle est dans un pays, elle ne fait que diviser, créer des zizanies, créer des troubles. Donc, Bachi, ceux qui vont comprendre n'ont qu'à comprendre. Ils n'ont qu'à tout faire. Que les Ivoiriens ne commencent pas à parler du départ de la France, départ total de la France en Côte d'Ivoire. C'est là même le point sur lequel Blé Goudé devait mettre la censure. Sinon, tout ce qui se passe là-bas, c'est la distraction pure et simple. Parce que il y avait déjà un lien. Il y a déjà un lien entre, ou bien il y a déjà un contrat entre Félix et la France. Vous vous souvenez de toute l'histoire de Félix Houphouët-Boigny. Alors, Bédié, c'est le problème. Bédié connaît cela. Parce que le problème, c'est quoi? Félix vient d'une tribu. Et cette tribu a un dieu. Il a offert à ce dieu la Côte d'Ivoire, qui est l'ensemble du territoire que nous appelons la Côte d'Ivoire. Et tout cela est complètement lié à la France dans la spiritualité. La France, c'est Lucifer. La France, c'est Lucifer. Alors les Ivoiriens locaux commencent pas à parler du départ de la France totale de toute la Côte d'Ivoire dans leurs affaires. Et là, ils verront clair, ça va des moyens par lesquels ils vont se parler entre eux-mêmes. Si la France est là, ils ne feront jamais. Ce sera toujours de bavardage de gauche à droite jusqu'à la fin. Mais elle partira à la France. Qu'elle veut ou pas, nous l'avons vu. Elle va quitter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété. Elle doit partir de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, nous sommes en guerre. C'est la France qui doit partir. Ouattara n'est rien du tout. Hein. Je vous remercie. Bye. Merci à vous également, Jean-Sac Ponou. Un grand merci à Gallo Sili qui a réussi de nous joindre. Le temps ne nous permet pas de retourner au standard, mais certainement pourra-t-il dire un mot sur ce sujet demain, même si on parlera de toute autre chose. Merci à tous ceux qui ont participé. Issa Diawara, le général, Jonathan Batenguene, à vous également. Bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media Africa.